Bonjour à tous et bienvenue sur L'Actu, la chaîne de l'actualité People et Télévision. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. L'acteur et chanteur Guy Marchand s'est éteint à l'âge de 86 ans, comme l'ont annoncé ses enfants Jules et Ludivine, fruit de ses amours avec Béatrice. Ce 15 décembre 2023, il s'est éteint paisiblement ce vendredi. S'il a tourné plus de 150 films au cours de sa carrière, c'est pour soutenir son train de vie plus que parce qu'il était un bourreau de travail. Il avait assuré l'interprète de Nestor Burma à la télévision. « Il était temps que je tourne à nouveau, parce qu'on est fauché. » En 2021, il avait ainsi vu là dans la dernière partie de Ludovic, Colbert Justine à la télévision. Au cinéma en 2022, dans Les Folies Fermières de Jean-Pierre Améry, et en 2023 pour La Plus Belle pour aller danser. À nos confrères, il avait expliqué « J'ai gagné beaucoup d'argent sur les Nestor, mais j'ai tout dépensé. » Sa fortune, son fils d'un ferrailleur et d'une femme au foyer qu'il a grandi, ses enfants n'en verront plus grand-chose. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter.